Hello! J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous m'entendez bien, si tout est cool. Normalement, tout devrait être cool. Ok, nickel. Eh bien, écoutez, on va partir sur une petite session RP. Avec le cadet Major Georges. J'aime pas les mondanités. Vous aussi vous êtes. J'en sais rien. Désolé, je suis un peu malade, je tousse, je vais muter un maximum pour pas que vous pourrir la soirée. Est-ce que tout fonctionne bien? Vous voyez tout? Vous m'entendez bien? Ah, pour mon deuxième live, il faut que je vérifie. Tout va bien? Et ben c'est parti. C'est parti pour une petite session avec le cadet Georges. Hein. Ah, j'ai oublié de me mettre sur la radio SPD, j'ai quand même peut-être me mettre sur la radio SPD. Bonjour Georges. Bonsoir Georges. Ça va et toi? Bon, on a une prise d'otage ou pas là? S'assurer là monsieur, c'est parfait quoi. Vous faites quoi là monsieur dans la ville là? Bah où là? Ah, ils recrutent des personnes comme ça là, dans la police là.
Il me faut la police là, la police, monsieur les agents, vous êtes où l'eau? Monsieur l'eau! Monsieur, monsieur l'eau! Me parmi, hein! Bonjour! Monsieur, monsieur! Non, y'a jamais personne qui bosse dans cette merde. Monsieur les agents, l'eau! Qu'est-ce d'ici, bordel? Vous n'êtes pas en bas, merde alors! Vous m'entendez là? Je suis très malade, j'arrête pas de tousser, c'est vraiment chiant. Allô? Allô? Quoi? Ouais, y'a des tirs au... à l'hôpital. Y'a quoi? Des tirs à l'hôpital. Oh, oh bah, faut faire attention. Faut venir, faut se cacher. Faut se cacher. Faut venir. Faut pas se faire tirer dessus. Faut venir. Waouh! Waouh! À l'hôpital, vite! Wow. On viendra! S'il vous plaît. À toutes les unités, nous avons un individu masqué qui tire sur des agents de sur des agents du LSPD au LSDH. Oh, quel catch! Un masque de renard, non? Oui, apparemment un individu masqué hein, avec un masque noir et des dreadlocks qui tire sur des agents de police. Vous m'entendez? Ah, mais si c'est un Jean-Michel, à la limite, on s'en fout. Et oui, on t'entend qu'il y a des merdes là. Qu'est-ce que je veux dire? On a un rassemblement de bikers au niveau de l'accès au 15, les gars, si jamais vous voulez jeter un oeil. Il a des merdes. Ah, faut pas dire d'ailleurs au moins, tu vas pas bien. Allô? Oui. Faut venir, s'il vous plaît, venez. On va venir. Tout de suite, s'il vous plaît. Ouais. Nos vies sont en danger. Ah ouais? Oh bah, faites attention alors. Ah ouais? Ah, salut. Salut. Ça va, Georges? Ouais, super. Et toi? Ça va. En vacances. Ah bah, ça va bien. Ah bah moi je me cherche un petit auto pour me balader, j'ai pas trouvé. Tu cherches une auto, tu cherches à acheter une auto? Non, pour aller en patrouille. Ah ouais, c'est ça. Y'a personne qui peut venir te chercher? Ah bah j'ai pas. J'ai pas demandé. Demande Georges. Ah bah. Personne viendra te chercher. Ah. Ok, qu'est-ce que va venir me chercher? Ça. À la commissariat. Tu demandes pas, genre, y'a personne qui va venir te chercher. Ah bah, j'ai demandé. Et toi, dis quoi? Je sais pas. Rien. Et il t'a dit quoi?
Oh, rien. J'ai personne qui me parle. Ouais. Bah, je sais pas. Attendez, ils m'ont viré du. Ouais, bon courage, Georges, à plus tard. Non. Attendez, ce que vous pouvez m'emmener à l'hôpital pour que j'aille faire ma mission. J'ai une mission. Ah ouais, d'accord. Début de la procédure. Ah, non, 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 attendez. Il faut que je monte 4 fois dans l'auto. Sinon, je vais pas bien. J'ai l'impression que j'ai des gros mots. Sortez un peu une fois, j'aurais que vous disiez des gros mots. Attends, 3. Allez, stop, on y va. Non, j'ai 4. C'est bon. Je suis bien installé. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de Chantal Goya? Ouais, bien sûr, je vous en prie. Ouais, si vous pouvez mettre un petit peu. Ah ouais? Ouais. Chercher. Je connais pas Chantal Goya, c'est bien. Ah ouais, c'est bien ça. Ça marche. Un lapin, il avait un chasseur. Après, il avait un grand chasseur. Il avait un fusil. Chantal Goya. Ouais. Regarde sur YouTube. Hein. Vous êtes pas pressé, j'espère. Non, c'est bon. Allez. Vous avez une préférence? Allez, c'est parti. Je sais pas si vous allez bien entendre. Hein. C'est sur mon téléphone. Vous entendez bien comme ça? Voilà. Panda. Je m'appelle Georges. Ah, Georges, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bon, c'est passé ouvert. Ouais, c'est bon. Quand vous êtes policier, je ne sais pas traverser, vous voyez. Ouais, c'est là que je dois aller. Oh, et c'est voilà. Là. Marché. Vous êtes arrivé, monsieur. Passez une agréable journée. Bah, marché, hein. Bijou. C'est gratuit. Bijou. Allez, ciao. Salut. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Ah, y'a personne! Allô? Bah, y'a personne! C'est nul! Non, Priscilla, ma chère, amène le connard. Sergent-major Michael McCauley, j'ai besoin d'une équipe de 3 hommes pour assurer la sécurité de la gouvernatrice au gouvernement dans les 5 minutes. Oh, quel cut! Moi, je suis là, monsieur. Monsieur McCauley. Oui, mais pas tout seul, hein, Georges. Oh, ouais, comme vous voulez, je m'en fiche. Qui vient avec vous? Ah, moi, j'y vais, moi. Allô, vous me répondez, putain de bordel de merde! Kit-Kat? Ici Tyrone et McGregor, on arrive. Eh ben go, merci, vous prenez Georges avec vous. Affirmatif, vous êtes où, Georges? Ah, je suis à l'hôpital, là, en train de me prendre un petit peu, je parle à Kitty. Non, on vous attend devant l'hôpital. Comment tu vas, accro? Écoute, un peu malade, je tousse encore, c'est très très chiant pour stream. Début de procédure, hein? Ah bah ouais, parce que faut que je monte 4 fois, sinon je dis des gros mots. 3?
Merci. Bon. Oh, ouais, c'est bon. Simer pour le follow, sauvage. Merci, bienvenue à toi sur le stream du Cadet George, le mongolo de la LSPD. Oh, pas là, on peut battre le pampon. Oh, ouais. Pampon. Ouais. Oh, ouais, je pars comme ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, attendez, attendez, je suis content, Attends, stop. Stop. Je suis content, faut que je m'arrête. Pourquoi ça? Ah, ça marche plus. Ouais, je perds. Merci, Sauvage, c'est cool. C'est hyper sympa ce que tu me dis, Sauvage, ça me fait plaisir. Merci pour les nouveaux follow, merci Alex. C'est sympa de follow, ça me fait plaisir les mecs. Écoutez, moi je débute dans le stream, voilà, c'est première expérience, mais comme on me pousse, bah j'y vais, voilà, je me lance. J'espère que vous avez. Vous êtes là dans combien de temps, putain de bordel de merde? Ah, une minute. Une heure, ou une journée, je sais pas. On verra quand on arrive. Une minute, sergent major. Bougez-vous le cul que je vous briefe. Désolé mec, je suis malade, je tousse, j'essaie de muter au maximum. Cimer sauvage. Cimer, c'est cool. Putain, un sauvage, t'es sur la Rio TV aussi. Je vois la petite emote sympathique. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça va pas recommencer, mais c'est pas possible. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. Ah non. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un cauchemar. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. À chaque fois, je me réveille, je suis avec ce chasuble jaune fluo. Il est sale, mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous dis, je ne comprends pas non plus, je suis très perturbé. Est-ce que vous pouvez me ramener chez ma femme Valérie pour que... Quelle heure est-il? 17h, c'est l'heure du thé. À monter, monsieur, on va vous ramener. Ouais, monter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je monte. Faites attention, hein. D'accord, très bien. J'en peux plus. À chaque fois, c'est pareil. Je vis un cauchemar, je me réveille avec ce chasuble jaune dégueu. Ah oui. Ah bah. Très bien. Ah mais oui. Ah bah c'est bon. Ah mais je vous connais, vous, le chauve là. Oh mon dieu. Ah mais Sergent Major, nous sommes là. Non, c'est pas Georges. Non. Ah, vous vous trompez. Ouais. Chez Jean-Baptiste. Rappelle la gouvernatrice. Je ne comprends pas là. Je viens de me réveiller. Réunion en Mayence. Avec. Georges, réunion. Non. Un doublement de personnalité quand il prend un gros choc. Un doublement de. Mettez-lui une patate. Vous allez voir, ça marche. Non. Arrêtez, vous me faites mal. Oh Georges, pardon, il t'a fait mal. Ouais, il fait quoi de ma matière rouste? Le mieux c'est le taser. La gouvernante, go, au pas de course. Allez, go. Un, deux, hop, pas de course. Voici votre garde rapprochée.
C'est Georges, oh, je la raconte Sarah, ça. Salut, alors, Georges. Est-ce qu'elle est pas magnifique, la gouvernatrice? Ah ouais, je l'ai déjà vue. Je connais déjà Georges. Je suis pas pour faire un... Ouais, je peux pas faire un bijou. Qu'est-ce que ça fait gratuit sous le menton? Arrêtez. Salut Azou, ça va? Salut à tout le monde les gars. Non mais comme je vous dis, il a pas le droit de vous dire ce qu'il pense de vous. C'est vrai Georges, tu me détestes en vrai? Oh non, je... Oui, c'est exactement ce que je dis là, je veux dire. Je suis toujours super gentil avec Georges, je vais même donner un bon goût. Cimer pour le follow, YouTube Cimer, c'est vraiment cool. Oui, c'est ma soeur souvent. Vous étiez pas licencié au jugement vous? Oui, on y va, on y va. Non mais je sais pas, je demande, je me renseigne. Ah oui, mais j'espère vous voir bientôt. Ouais, oui, je suis toujours un plaisir. Ah, je monte ici? Ouais, non, je crois que monsieur Macaulay va vous... Macaulay. Ah, Macaulay. Ouais. Georges, il garde la... Ça va, je vois pas, monsieur Macaulay. À vous. Voilà, dame habillée en rose. Ouais, je la connais. Je te confie sa vie, Georges. Oh, ça veut dire que c'est bon, que toute la vie on va rester, elle et moi ensemble, comme des amours. Non, ça veut dire que tu la protèges mieux que ton taser. Oh. Tu la suis de partout et tu veilles à ce que personne n'y fasse de mal. Personne ne doit l'approcher si tu l'as pas fouillé. Ouais. La procédure, Georges, la procédure, tu foufouilles bien. Je foufouille. Ah bah je foufouille. Tu foufouilles trois fois, ouais. Tu peux me voir comment tu fais. Ouais, y'a pas de problème. C'est bien pour le follow. Coup, je regarde un peu. Ah ouais, j'arrive, j'arrive. J'arrive, mec, faut que tu viennes au jugement maintenant. J'arrive. Allez, plus vite que ça. Oh non, je suis. Oh là, la foufouille, une fois. Voilà, la foufouille, une fois. Voilà. Oh, la foufouille, deux fois. Eh bien, deux fois. Oui. Oh là là. Ah, ça marche comme les potes. La foufouille, trois fois. Et là, il qu'il a pas d'arme à chaque fois. Ah bah non, il a une banane, ça va. Il a ta drogue. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ah ouais, ouais, d'accord. Laisse-moi. Ok. Bon. Hey, vous deux, ça vous dérangerait de sortir de la bagnole, putain de bordel de merde. Cimer, Poroun, je sais pas comment. D'accord. Je tu confisques on systématiquement est pas ton pseudo, mec, n'importe merci. Quelle arme d'une personne qui s'approche d'elle. D'accord. Ouais. Y'a pas de je suis pas gouvernement, je suis ci, celui-là, vous avez entendu vous aussi messieurs? Personne ne s'approche de madame le gouverneur s'il est armé. Y'a pas si... de négociation quoi que ce soit. Et si une tente seule de procès... sommation, vous êtes, je vous veux en mode vénère, une sommation. Si la personne comprend pas au bout d'une sommation, vous me le foutez par terre comme une merde, Cimer, ça me fait vous plaisir, le fouillez, vous le dépouillez et vous le dégagez comme une merde. Bien. C'est pris un coup d'âge une fois, il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit. Vous la suivez comme votre ombre, d'accord? J'ai rien compris. Vous êtes tout le temps son cul qui est fort beau. Madame le gouverneur. Ouais. Ça va mon petit Georginou? Ouais. Vous avez compris? Madame le gouverneur. Madame le gouverneur. Arrêtez. Ça me fait déconner, je trouve. Écoutez-moi attentivement, ces trois hommes ici présents. Ah, c'est le cadet major, Georges. Les deux officiers ici présents. Enchanté. Pete, c'est le oui. Noir. L'autre, et l'autre, c'est Bull. Pete Bull. McGregor. Moi, c'est Jackson, monsieur. Pour s'occuper de votre protection. Pete Bull, cher Pete Bull. Avec plaisir, monsieur. Ils vont rester aussi près de vous que possible. N'essayez pas de les larguer. Il est où, quad? Votre quad est rangé propre là-bas, juste derrière les voitures. Vous promettez? 10-4, Georges. Mais bien sûr que oui, rangé, nettoyé. Par la corruption qui vous l'avez volé. Écoutez-moi, taisez-vous. Georges, ça suffit, silence. Oh ouais, d'accord, roi du silence, Georges. Est-ce que vous pourriez donner une prime de $250 à chacun des officiers? J'ai perdu. De votre protection, parce que c'est quand même un travail très, très... Qu'est-ce que je suis con, ouais. Qu'est-ce que Georges est con, moi ça va en vérité. La protéger comme si c'était votre maman. Je joue le débile, hein. D'accord. Je le fais bien, hein. Laissez personne l'approcher. Je le personne bien. L'approcher, quel que oui, soit son poste, que ce soit LSPD, LSDH, gouvernement, je sais pas quelle autre connerie, personne n'approche madame le gouvernement sans que vous l'ayez fouillé. Est-ce que c'est clair? Même pas de cochon. Très clair. D'accord. Ah, la compte Sarah, s'il est pas caché, on va être jamais. Si, détends pas un moment, je me surprends des fois dans IRL à rigoler. Rigole pas. Oh putain, j'ai fait un problème. Personne
J'ai mal à la tête. Approchant, ne pas vous approcher s'il n'a pas été fouillé au préalable. Oui, je vous fouille. Si, madame le gouverneur, si une personne refuse la fouille, pour quelque raison que ce soit, elle aura une sommation. Ensuite, elle sera mise au sol par les officiers et arrêtée pour refus d'obtempérer sur la justice. Est-ce que c'est clair? Et je vous demande d'avaliser la chose. Non, non, j'évite de faire ça au boulot parce que putain, ça craint les mecs. Sinon, vous m'approchez pas. D'accord. Voilà. Et pour tous ceux qui rentrent dans le gouvernement comme si c'était un putain de bien avant. Ouais, le changement est dingue, ouais. Bah écoute, la même chose, la sommation, la deuxième, une balle dans le pied, genre, elle a foutu. Vous avez fait les mecs. Ah ouais, avec la belle famille, ouais, non, non, j'ai fait ça bien. Non, c'est vrai qu'il est calme là. Oh, je vois bien, je vous me donnez des petits bonbons, je. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, madame la gouvernatrice? Ah bah non, c'était Chirac. J'ai des gens qui veulent me buter, il y a des gens qui me détestent. Bah mais non, c'est gentil avec moi. Ah oui, sauf ceux qui ont des tomahawks, quoi. Ah oui, bah ça, oui. Et demain, bien entendu, Finnegan s'occupera personnellement de notre service de sécurité. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Au bout d'un moment, j'ai été poli, j'ai rien dit. Mais non, mais Finnegan, oui, c'est vrai. Oui, mais tu rachètes tes propos. Oh. Exactement. Allez, on y va! Attendez, je fais un pas pour tester. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Wouh! Wouh! Et si je cours? Ah là 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 là! Bah je teste si je suis bien même quand je cours! Vous arrêtez de les faire chier! C'est pour ça que personne vous aime! Attention! Faut s'approcher pas trop! Et faut pas vous approcher! C'est donc j'ai la foufouille! C'est bien, Georges, mais c'est moi la foufouille, Georges, la foufouille! Oh ouais, la foufouille! Alors vous allez fouiller le noir et vous allez me le faire en fait, c'est bon, d'accord? Oh. Je suis au téléphone! Ah tiens, c'est moi qui fais! Pochez-vous, faut que je sorte. Alors vous pouvez pas venir, vous avez pas fait la foufouille. Ouais bah il dit fouillez-moi. Wow, une foufouille. Ah qu'est-ce que oh, ouais. Ok. Deux foufouilles. Ça a l'air bon ça. Ah, je peux prendre le petit coca, vous savez, parce que j'ai. De quoi? Le petit coca. Non, il en est besoin, c'est pour. Ah, j'allais le prendre. Une prescription. Bah, merci, je te fais un bisou. Prends-lui, prends-lui. J'aime bien ça. Trop fou, oui. Oh, vous avez une frite, j'aime bien aussi. J'ai faim. Je peux la prendre. Je vous fais un bisou, je vous jure. Oh, bah, merci. Ouais. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, il a bien été fouillé, cadet. Ouais, c'est bon. Allez, suivez-moi, monsieur. Ah. Juste, monsieur. Et appel à toutes les unités. Attends, Il y a une course sauvage qui se prépare avec des fous furieux en belle voiture de luxe, d'accord. Attendre. Le départ est dans une minute environ. Ok, 30 secondes. Elle t'a pas demandé. Tu dois lui obéir. Tu me fais penser à mon copain Timmy. Ça peut lui ressembler un peu, physiquement, je veux dire. C'est fou. C'est fou, c'est. Si je fais ça, ça fait quoi? Dégueulasse. Vas-y, casse-toi. Doucement. Attends, tu voudrais qu'on joue ensemble, hein? À la PlayStation ou? Tu veux que je fasse un bisou, t'as l'air triste. Oh, t'as pas l'air très gentil, hein?
On va essayer de toucher le plus haut. Calme-toi. Oh, bah je calme. Non, t'es pas calme. Ah, je sais, tu es hyperactif. Non, je... Respire. Doucement, rigole pas, respire. Ah, je rigole pas. Chichi, tu rigoles. Non. Va écouter ce qu'il raconte le noiro là. Oh, il a dit noiro. Ah, c'est pas bien, c'est un gros beau. Vas-y, vas-y, va le voir, le clochard, là. Demande-lui. Il a du clochard. C'est un clochard, va lui demander, vas-y. Oh, lequel? Mais celui qui est par terre, il y en a qu'un. Ah oh, ouais. Salut. Ouais, salut, ça va, mec? Oh, t'es un clochard? Non, enfin, c'est pas que c'est un clochard, hein. C'est qu'en fait, j'ai fugué. Ah ouais. Il dit plus d'argent et t'as pas de l'argent? Ouais. Ah, t'arrêtes, t'as pas le droit de rentrer. Là, je lui ai dit de rester dehors, c'est parce qu'il pleut. Vas-y, Greg. À quoi? T'as pas un peu d'argent? Ah non. Ah, et toi, t'auras pas un peu d'argent? Non, j'ai pas. Oh bah, hey, c'est dommage. Hé, hey, cadet, tu veux un bonbon? Oh ouais. Oh ouais, 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 ouais. Ah ouais. Oh, je peux avoir un bonbon? Si, si, attends, il va te le donner, bouge pas. Oh ouais, je te perds. Tiens, il te le glisse dans la poche. Ouais, ok. Non, tu sais, il va te donner un truc meilleur, ok? Ouais. Est-ce que tu aimes le Capri Sun à l'orange? Ouais. Tiens, prends ça. Voilà. Oh merci! Oh, c'est une petite briquette d'orange! Si, si, il y a tant pis, prends un couille là. Genre, je suis parti avec monsieur Jusqu'à. Bon, qui aime? Par contre, il faut vraiment que. Monsieur, 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 oui. Monsieur, monsieur. Alors, excusez-moi, on va vous demander de vous écarter. Kobe, je une personne à la fin. Ouais. Désolé. Attendez, je vous donne à manger et à boire. Je suis vraiment désolé. Comment? Ouais. Écartez-vous encore, monsieur. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Encore. Ça va mal. Oui, aujourd'hui, c'est nous qui assurons la sécurité. Putain, Coca, merci, t'as assuré, madame la gouverneuse. Oui. Et ça, lui, c'est nous qui assurons la sécurité. Comment? Voilà. Merci. Ah, c'est vous qui avez eu le slip? Soyez gentils, donnez-lui un sandwich en échange, d'accord? Eh, par ici. Moi, j'ai besoin de parler à Vito. C'est, il y a pas vraiment... Il a bien été fouillé du... Genre, ouais, il a été fouillé, c'est ça, Genre. Ça va? Nickel. Qu'est-ce que tu m'appelles? Bon, qu'est-ce que tu fais, toi, ici? T'es toujours pas... Mais t'es toujours pas passé officier? Ah, je t'ai mute. Désolé, les mecs. Oh non, non, non. Je connais ma chance. Mais comment ça se fait que tu passes pas officier? Ah oh, bah, c'est moi que je chef de connais. Ouais. Dis-moi, Georges, ça t'intéresse d'être juif? Non, j'ai mute pour... J'ai mute parce que je tousse les mecs, c'est chaud. Oh, 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 quoi? De quoi? Les juifs, c'est passé être comme moi, tu vois. Oh bah non. Non, tu vois pas. Non, t'es moche. Ah, oh, j'y vais. Il faut que j'aille protéger. Ça t'intéresse d'être juif? Maintenant, t'es moche. Attention, monsieur! Faut pas vous approcher! Faut. Non, mais... Bref, parce que. Georges, tranquille, il parle simplement de. Ouais, il faut juste que. Il faut que je. Non! Attendez! Faut que je fasse bon, la foufouille! Georges, tu vois comme il m'énerve ou. Non, je vais faire la foufouille! Mais. Bon, vas-y, fais la fouille! Fouille! Une fois? Georges, attends! Georges! Ah, on t'entend pas très bien, Kim! Ouais? Je vais te donner un truc. Ouais? Mais faut que je fasse la foufouille trois fois. T'as pas besoin de faire trois fois, tu prends ça, d'accord? Ah, c'est quoi? Eh bah, tu goûtes. Non, je. Si, allez, tu avales ça. Non. Et tu sais quoi, Georges? Il y a un quad magnifique là-bas. Bon, Georges. Je te prête une quad, d'accord? C'est quoi que je dois manger? Tu
Ah là, non, non, j'aime pas la salade. Bon, attends, je préfère les frites. Ça va lui faire un peu d'effet. Attends, tiens, prends ça. Tout va, voilà, ça va te faire un peu d'effet. Ah. Attends, tiens, tiens, bois ça. Et maintenant, tu nous laisses, hein. Et tu prends avec l'herbe que je t'ai donnée, d'accord? Et tu vas faire j'ai crash. Je relance le stream, les mecs. Enfin, le stream, le jeu. Sorry. Petit crash. Je crois que mon PC, il supporte pas trop le streaming, les mecs. Il commence à être vieux. Premier i7. Il commence à avoir mal à la gueule. Hein. Je relance vite. Bon, j'espère que vous kiffez. Pour le moment, il se passe pas grand chose. On va essayer de toucher les ploplos, hein. Mais ça va pas être facile parce que visiblement ils font leur petite scène RP tranquille. Ils veulent pas être trop dérangés par un gogol. Bon, ça raconte quoi sinon? Désolé hein, le temps que ça se relance. Je regarde dans mes. Dans mon gestionnaire de tâches, tout a l'air ok. J'ai pas de processus. On va essayer de relancer ça. Tu me dis que le jeu est déjà lancé, c'est quoi cette merde? Désolé les mecs, hein. Les aléas du direct. Moi je pense que ça se tient, genre, après je suis pas pro, je vois pas trop c'est quoi la 750 GTI, c'est une vieille carte ça, non? En vrai je pense que tu peux, hein, accro sans problème. Hein. Ça se relance les mecs, hein, désolé, ça arrive, en attendant je peux faire ça. Moi je pense que ça passe, ouais, si tu mets les graphismes au minimum, normalement tu devrais pas avoir trop de problèmes. Hein. Pas avoir trop de problèmes. T'aimes bien la scène? Parce qu'on m'entend pas bien dans le jeu, c'est quoi le problème en fait les mecs? Dites-moi hein, que j'essaye de régler ça. C'était le son. Ça roulotte. Ah ouais? Mais qui me parlait pas énorme je crois. Vous voulez que j'essaye de remonter un peu le son? Vous me direz ok? C'est moi? Je suis revenu? Ouais? On te dit de travail réglementaire? Oh, ouais, je vais la remettre! Ok, tu me bien toi. Oui, excusez-moi les mecs. Normalement, elle devrait être changée là. Le son ambiant un peu plus fort. Je vais monter le son sur le sur OBS parce que je l'avais baissé. Voilà, normalement là on devrait être. On devrait être pas trop mal. Là j'ai mis mon micro plus haut. Normalement ça devrait être bon. Vous me direz les mecs, vous me direz. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous voyez que des fois je mute comme un gogol et que j'oublie de remettre après, c'est que je tousse et pour pas vous éclater les oreilles en fait. C'est très chiant par contre, je vois pas le chat. Voilà, ok. Et ben vous me le dites parce que
Parce qu'en fait, je me rends pas compte, moi, j'oublie après de le remettre. Comme un gogol, j'ai pas l'habitude. Ouais, je l'ai mis le push to talk. Enfin, moi j'aime pas le push to talk, c'est pas mon truc. Je suis un mec qui parle tout le temps, donc. Ah, j'aime pas moi. Vas-y, rends-moi ça. Je vais te donner un coca en échange. Oh, un coca ? Allô ? Wyatt ? Alors, où est-ce que tu en es ? Au PDP, carrément ? D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah j'essaie de venir vite, je promets rien. Bon, parce que le temps de déplacer toute là, hein. Bon. Attends, Georges, 2 secondes, il a fini une petite discussion, après... Ok, c'est bon. Perfecto. Oh mon dieu. Ouais, je avec ça. Quand je souffle, comme ça, je peux courir et puis je peux un petit peu boire. Ouais, c'est pas de l'alcool, on est d'accord. Non, c'est du coca. Ah, ça va. Ouais, ça va. Tu veux goûter? Non. Tiens, je t'en donne. Non, mais j'ai pas soif. J'ai déjà bu plein de coca tout à l'heure. Je sais pas si voilà. Vous pouviez le contacter. Ah bah ouais, d'accord. Si c'était urgent, si vous voulez lui parler, il faudra le contacter. Voilà. J'espère que ça va pas être trop chiant cette putain de mission à surveiller Kim, parce que... En vrai... Hein ? On va rigoler, Georges, oui. Ouais ? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu peux rester un petit peu loin, tu sais, il faut que t'ailles protéger la gouvernatrice, pas protéger la gouvernatrice. Ah ouais, bah, ils m'ont dit d'aller un petit peu plus loin. Et tout le monde me dit d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Il était recherché. Oui, comme ça, rappeler, on, mais... vous amène au PD... on vous amène au PDP, oh, et à la même occasion, on le récupère. C'est un gros mot. On peut pas récupérer parce qu'on va... on est 4. Ok, très bien. Et de toute façon, normalement, il y a une mesure d'éloignement. Très bien, donc on a bien fait de ne pas les laisser vous approcher alors. Ouais, merci. Très bien. Je vais devoir régler. Écoutez, on va se rendre au PDP. Oui, très bien. Bon, ok, on se voit plus tard. Moi. Je t'aime fort, à tout à l'heure. Ouais. Ah, je vois rien demander. Fais voir. J'imagine même pas combien j'en ai fait. Un copain, viens voir. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Mais non. Ma copain, ouais, viens voir, faut que je te dise un truc. Ouais. Oh, parce que t'aimes bien la salade? Bon, madame la grande rabbine, hein. Plus tard. Ah, comme les lapins, t'aimes bien? La salade. Pas normal d'être rabbin, même dans ton numéro. T'aimes bien la salade? Comme les petits lapins. De quoi. Ouais, je voulais savoir. Ouais, est-ce que t'aimes bien la salade comme les petits lapins? La salade, moi j'aime bien. Ah bah tiens, je te donne parce que la gouvernatrice elle m'a donné ça. Et moi j'en veux pas. Parce que moi je préfère les petits Coca-Cola. KDKD, est-ce que tu peux fouiller les deux journalistes juste ici, s'il te plaît, là? Bah c'est vrai, ça procédure, vas-y, procédure, attaque. Bonjour. Ah, qui voilà. Est-ce que ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez vous mettre là-bas? Ah oui, on peut, venez monsieur le cadet, venez. Ah bah super. Il commence pas, il ne fait pas les recrutements ce soir? Ah, je suis arrivé le premier. Ah, c'est moi qui arrive le premier. Félicitations, bravo. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous mettre là-bas? Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, on va pas non plus t'arrêter. C'est là-bas. Non, mais attendez, moi j'ai pas que ça à branler, hein. Fouillez-moi, allez, c'est parti. C'est là-bas qu'il faut se mettre. Bah, fouillez-moi, j'ai pas que ça à branler. Non, c'est là-bas. De toute façon, j'ai rien à me reprocher, donc allez-y, hein. Bah, faut partir alors, parce que sinon, je vous ferai pas. C'est là-bas.
Non bah putain, allez-y, fouillez-moi, faites-vous plaisir. Non, je m'en fouille pas, je vous ai dit que si je m'en fouille, c'est là. Bon d'accord, je vais aller là-bas. Ouh, ah bah là, sur les escaliers. Non mais je vais pas aller me foutre sur l'escalier, je vais aller me foutre à côté de mon collègue. Bah non, bah alors tant pis. Il est un peu dur de la feuille, hein. Ah, moi, si vous allez pas sur les escaliers, je vous fouille pas. Eh bah, fouillez-moi pas, c'est bon, je vais aller voir votre collègue. Non, vous venez ici, vous avez pas le droit, c'est moi qui décide. Non, mais attends, non, mais putain, attends, le mec, il m'a laissé traverser tout à l'heure. Vous avez. Attendez, Ouais. Hey, tu te calmes, putain. Tu te calmes. Hey, toi aussi, tu te calmes. Putain. Toi aussi, tu te calmes. C'est clair, tu te mets exactement où je te dis, tu vois, tu te mets, c'est moi qui ai fait. Je vais me mettre en position lotus, tout va bien se passer. Bon. Hey, tu vas te mettre là où je te dis. Et toi aussi, tu vas te mettre là où je te dis. Ou alors, je vais te mettre comme ton copain, je vais te mettre au sol. Parce que j'ai les techniques de défense. Oui, oui, mais alors il faut aller sur les escaliers, il faut aller là-bas, il faut choisir à un moment donné. Parce que vous voyez, au début, je voulais que ce soit là. Après, j'ai dit que ce sera là-bas. C'est sur les escaliers. Et là, vous êtes sûr que c'est là-bas, hein? Ouais, c'est là-bas. D'accord. Ah, bah super. Ah bah c'est bon, hein. Je vais t'enlever ta petite menotte que je t'ai mis, bah, tu vas aller gentiment sur ton escalier. Ah bah non, je vais juste m'en aller du gouvernement, c'est tout, hein. Ah bah alors reste là. Oh quel rôle, ça fait rire, quoi. Cote, 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 cote. Bon bah cher coude, j'ai un peu de gâteau, hein. Ouais, bien sûr. Merci. Attendez, beaucoup. Je cherche le briquet. Ouais, c'est cool, hein. Comme on va rester un petit moment ici, j'ai l'impression, hein. Ah ouais, y'a moyen, ouais. Ah, merci beaucoup, hein. Bon, je me sens mieux, là, putain. Attendez, je vais rebondir un peu les jambes. Voilà. Hop là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah oui, c'est comme ça qu'on se tient en forme, hein. Regardez mon âge, hein. Je perds pas mon âge, mon gars. Ouais, ouais. Procédure, allez, hop, procédure, hop, procédure. Oh, j'ai pas de la procédure. Hein. 2. Et de 3. De 3. Et de 4. Ouais, 4, c'est ça, c'est le chiffre que vient après. Cadet, bon. Cadet. Ouais. Vous pouvez me faire plaisir. Ouais. Faites-le une 5ème fois, s'il vous plaît. Non, c'est 4. Ah d'accord, c'était un piège en fait, c'est pour voir si vous alliez tomber dedans. Non, c'est 4 ici. Mais on surveille plus, c'est madame qui est bourrée. Si, c'est l'officier McGregor qui va la conduire, elle voulait y aller en deux voitures. Ah bah ça, super alors. Ouais, vous voulez qu'on chante des petites chansons? Hein, ça vaut. Toi, Banana, tu connais des chansons? De quoi, moi? Ouais. Non, je connais pas les chansons, mec. Ah bah c'est dommage. Tu vois quand je t'en apprends une? Non, tranquille, ça ira, merci, c'est gentil, c'est trop cool. Oh, ok, d'accord. C'est comme tu veux. Mais ça, sinon, moi, si tu veux, je connais des petites chansons. De Chantal Goya, Pendant, Bacassine. Il n'y a pas qu'il a tué le chasseur. J'en connais plein. Tu me dis, tu chantes? Ouais, vas-y, chante, pourquoi pas, mec? On va faire péter un câble. Je vais pas sortir. La porte elle est fermée, c'est normal. Ouais,
je crois, parce que si on roule avec la porte ouverte après, c'est pas bien. Un bécha. Ouais, tu es comme bien ça. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que t'as? Aïe. Qu'est-ce que t'as? Aïe, il est mal au ventre. Oh, t'as mal. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse un petit bisou? Pour que tu t'ailles mieux? Non, c'est bon, ça va mieux. T'es sûr? Ouais, ça va mieux. Comment tu t'appelles? Georges. Regarde-moi, Georges Michel. Et t'es dans la police, Georges? Ouais, ouais, j'ai une petite étoile, tout ça. Moi, il voulait pas que tu sois dans la police. Ah, Kit Kat. C'est moi, je là. What the fuck, me? Vous montez à l'arrière du véhicule, ici. En vrai, on s'emmerde. Hein. Vous montez à l'arrière du véhicule. J'ai envie de retourner avec vrai vous. Day. Putain, ton l'autre passé. Arrière. L'autre oh arrière. Ah, je tiens. Quoi Tyrone. Oh, putain, c'est tribunal. C'est Mace Bank. Pourquoi vous avez embarqué le couchard? Attendez, bougez pas, monsieur. Bougez pas. Il va aller en prison, mec. Où est-ce mais non, il rigole. Il dit qu'il va aller porter plainte. Montez, monsieur. Cache-cache des pigeons. J'aurais bien monté, en fait, mais... Ce serait pas quoi facile si vous montrez un endroit. C'est pas facile quoi. Comment il est fermé, ok. Allez-y, montez. Monsieur l'agent, j'ai ma voiture qui est sur le parking, je vais la récupérer. Très je vais bien. Aller au commissariat. Oh, ils sont vraiment à mourir. On a de chialer avec eux là. Donc c'est quoi votre motif? Vous verrez ça avec enfin, les officiers. T'es collé parce que t'as trop bavardé. Il fallait pas parler. Justement, on peut jouer au roi du silence. Ouais, bah, je veux bien le croire. Moi j'ai rien fait pour me marquer dans mon coin encore. Moi j'ai rien fait. À quoi? Il y a vraiment une voix de canard. T'as changé, avant je t'aimais bien quand on était tous les deux en arrière. Ouais, moi aussi, ça. Ça, je t'aime bien. À quoi? On va où? C'est où qu'on va? Oh, c'est où qu'on va? C'est où qu'on va? Oui, mon petit cache-cache. Vous allez voir, c'est une surprise. Moi, je m'en parle. On va jouer à cache-cache. Ah bah, super! Moi, je vais me cacher. J'arrive! Non. Jamais va me trouver. Allô? Oui, cache-cache, c'est bon, tu as fini, tu reviens. Cache-cache. Allez, reviens sur le côté de la route. Ouais, Tyrone, tu arrives? Ouais, ben il faut que je gère cache-cache en même temps, là, c'est pas évident. Ah, je vois. Au pire, demande à Georges de t'aider. Enfin... Ah, je suis caché. Ah oui, d'accord. Ah, tu vas me trouver, je suis caché. Bon, allez, cache-cache, je te laisse. Si tu arrives à monter dans la voiture en moins de 30 secondes, je te donne un... Ouais, j'arrive. 1, 2, 3, 4... Allez, vite. Début de la procédure, c'est fermé. Allez-y, cache-cache, faites votre procédure. Je m'appelle pas, cache-cache. Oui, c'est bien, c'est un piège. Cadet Georges, est-ce que vous pouvez éviter de crier dans la radio? Faites-moi les oreilles. Ah ouais, super. Allez, cadet. Merci, Cadet Georges. Et encore mon dernier. Quoi? À 4. Oh, t'es musqué. T'as bien. Ah ouais. Quoi?
J'ai l'annoncé des connards qui est sorti de là-bas. Quoi? Je me fous de sa gueule, en fait. Porte pas sa voix. Ah, monsieur Pilon! Il est sur une autre fréquence. Monsieur Pilon, viens me chercher, je m'ennuie. Oh, je voudrais un fête foraine. Il est sur une autre fréquence, Pilon. Oh, faut pas! Qu'une patrouille peut aller récupérer Georges, s'il vous plaît. Ouais, moi, une patrouille qui s'occupe pas de cache-cache, allez récupérer Georges s'il vous plaît. Il est où? Georges dit. Scott, on y va. Ah, il est au niveau de la fête. Non, je sais pas, la fête, je suis à la grande tour, la grande tour. La grande tour, si vous allez, monsieur, vous me suivez. Quel étage je vais chez le juge? Bah écoutez, j'ai des ordres. De quoi, Téhéran? Au juge, je l'amène à quel étage? Ah, pour cache-cache, faut voir avec ma collègue, ouais, c'est lui qui le voulait. Je sais pas, hier, tu étais là-bas. Ouais, donc on me dit Maze Bank, où est-ce que je vais? Ah, Maze Bank, ouais, donc c'est au juge. C'est bien. Vous montez à l'étage au juge, cache-cache. Ah, mais il y en a deux. Au juge, regardez bien. Le mot de aussi? Ok, je pense que c'est oui. Ah ouais, bah c'est bon, je suis d'accord. Ah non, c'est bon, on y va. Allez, on y va. Ah ouais, on y va. Attends, tu me fouilles pour dire c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah putain, t'es gentil, toi. Alors, vous restez ici, s'il vous plaît. Ah bah attends, toi aussi t'es gentil, hein, je vais te faire un bisou. Moi aussi, je fais un bisou, je suis là. Ah ouais, t'es vraiment un copain, toi. Attends. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Brandon, et tu t'appelles comment, toi? Ah, Georges. Georges Michel. Putain, chatte plus, Georges. Quoi, quand t'es major Georges, envoie service. Putain, j'ai la pêche, quoi. Ouais, j'ai la pêche, je fais un petit peu des vidéos. Bon, y'a personne au juge, hein, je tente les étages du dessous. Ah, des fois, je fais des petits trucs. Des fois, je vois les filles. Et j'ai ça. Ouais, c'est cool. Tu battais un peu des nichons, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, toi aussi. Ah putain, moi aussi, des fois, de temps en temps. Moi, je suis amoureux de la fille qu'elle a les cheveux de la barbe à papa. Parce que ça doit être bon, on peut les manger. Putain, mais attends, c'est pas le gouvernante avec qui tu parles? Oh, je sais pas, c'est comme Bourlet. Putain, qui Bourlet, oh putain, pas mal. Ouais, c'est ça. Je suis amoureux d'elle. Bientôt, je vais lui tenir la main. Ah, c'est super. Ouais. Attends, retourne-toi. Oh, Maintenant, on descend. Bah attends, viens, on va au... Je sais pas, en fait, on va où? On va au juge 1, viens, on va au juge 1. On va... Je prends ma femme service. Bonne soirée à tout le monde. D'accord, madame. Ah, mais c'est reparti, juge 2. Allez. Attention. Oh putain, y'a personne, quoi. Ah, rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. C'est où, Les chaussées? Il y a avec les chaussées? Putain, y'a personne! Oh bah putain! Ah, il a dit putain! Ah, tiens, un gros mot, c'est pas bien! Putain, j'ai dit un gros mot, t'as raison! Bah attends, va où là? Allo? Oh, allo? Vous êtes où? Allô? Vous êtes où sur la radio? Personne m'entend. Putain, ils sont où? Pas destiné à un grand public. Malheureusement, ça a passé trop
récemment d'ailleurs tombé dans l'oreille de personnes qui... Georges dehors, Georges dehors. Quoi? Les présenteries ont dehors. Été... Dehors, pourquoi? Parce que... C'est un tribunal, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je sais pas, moi, dis venir. Occupe-toi des gens au fond là-bas. Venez Oh, pourquoi j'ai pas le droit d'y aller? Bonjour monsieur, bonjour. Oh, pourquoi j'ai pas le droit d'aller là-bas? Eh, hey, cache-cache, tu te rappelles que je te devais un biscuit? Ah, c'est qui me parle sans prendre? Non, je vais pas aller, excusez-moi, je vais pas aller, je t'ai retrouvé, Georges. Vous parlez trop fort, monsieur. Mais désolé, excusez-moi. C'est qui me donne un biscuit? Non, qu'est-ce que je voulais parler au cas des Georges. Ouais? Ah, je comprends. Cas des Georges, si tu restes sage, je te donnerai pas un biscuit, mais 5 biscuits. Oh, j'ai 5 biscuits? Ouais, ça va. Ah ouais, il faut que je fasse quoi? Eh bien, il faut que tu restes sage et que tu restes à côté de moi pendant toute la séance. Tu perds? Regarde, tu restes sage et tu te mets comme ça. D'accord. J'ai du caca. Officier McGregor, vous êtes où? Ah, je suis Colo. À votre droite. Pour les officiers qui ont eu le droit au discours de... On était corrompus, etc. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Pardon? C'est bien à vous qu'il a fait le discours de « On est corrompus, etc. » Non, nous, on nous a demandé de voir. C'est quoi, corrompu? On a affecté la gouvernatrice. Corrompu pipi. Il a dit pipi. J'arrive à le contacter. C'est lequel, le nouveau, le black, là? Le black. Peterson. Le black. Oh putain, les Tyler, scènes, c'est chiant, les scènes de jugement. Je ne vous vois pas, McGregor. C'est pas Tyrone, non. Putain, bon, ils sont pas là, c'est super, ils ont rendu leur service. Ah. Oh, il est tombé. Tu as fait mal? Non, ça va. Ça va? C'est rien. Regarde, je te fais un petit bisou pour pas que tu aies mal. Ah ouais, c'est vrai. Ah merci. Ah oui, ah, par contre, ouais. Point, j'en sais rien. Tous les soirs, je suis jugé, c'est quoi cette merde? Quoi? Je vous demande de vous mettre dans la salle d'attente là, juste à côté, juste ici, s'il vous plaît. J'en sais rien. Eh, facile son truc là, ça va. On peut le faire, on peut tous le faire. Dans ma barbe, j'ai comme ça. Quoi? Alors que ça, c'est dur à faire. Ah, tu peux? Oh, regarde! Ah, c'est la petite montagne avec le petit train. Ah, le petit train est parti ici. Après, il va ici, il va là. Après, il va tout de l'intérieur de la terre. Ensuite, il repart là. Et puis, regarde! Les petits autos. Et puis là, après, les gens, ils partent. Ils vont à la plage. Ils vont au lac. Ils mettent leur serviette. Ils sont contents. Après, les vieux, ils regardent les filles qui ont les gros plop-plop. Avec les maillots de bain. C'est bon con. Ouais. Et c'est là. Après ils font dans la montagne, après ils sautent dans l'eau. Super. T'as vu? Tu veux un petit peu de coca? Non merci. Tiens, route. Là, si tu veux pas de biscuits. Non merci. Allez, va tiens. Moi ça me fait plaisir. Oh bah non. Tiens. Non. Ah bah goûte. Cache. Ouais. Ne faites pas attention. Genre, vous voulez pas vos biscuits? Si. Et bah alors, vous vous mettez à côté de nous et vous restez sage. Moi, je suis sage. Sans singe. Je m'en vais. Mais non, restez. Qui là? On va appeler cache-cache. Je m'en vais, chérie. Bon, on a le cadet Georges qui est sorti de la du. Oh, comment elle est belle. C'est reçu, garde-le. D'accord. Ouais.
ça vous voulez la gouvernatrice? À l'intérieur, merci. Ouais, c'est ça? Comment tu sais? Parce que t'as failli le dire, mais tu t'es arrêté en plein milieu, en rigolant, encore une fois. Ah non, j'ai pas rigolé! Si. Ah non, je te jure! Qu'est déjà, si vous revenez en moins de 30 secondes, vous aurez un petit Wamaran. Oh, Kekat! Ah oui, si tu veux le Wamaran, c'est en 30 secondes. 29, 28, 26. Ils sont pas là. Dix-huit, dix-sept. Ah, moi je le connais pas, Roger. Allez, tenez votre récompense. Et dites-moi, vous n'auriez pas le numéro de ma collègue par hasard? Je vous vois pas. Faut pas faire votre mettre contre un mur. Ah non, c'est pas vous, c'est eux qui me donnent le rhum de Roger. Oh, bah si! On voit son nom, mais on voit pas lui. Moi qui ai acheté les voitures, je ne lui ai donné aucun argent. Simplement, je lui ai donné les clés après parce que j'étais fatiguée. Donc, ensuite, il a pu disposer des véhicules à sa conscience, mais en tout cas, les véhicules. C'est moi qui ai dépensé l'argent. Et j'ajouterai après que monsieur reçoit quand même un assez bon salaire. T'es tombé. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de m'amener là non plus, et en vérité ils font des... on pourrait égayer la scène en fait. S'ils me laissaient aller là-bas, on pourrait rigoler un petit peu, tu vois. Je suis pas obligé d'intervenir toutes les secondes non plus, mais je pourrais rebondir sur 2-3 conneries. Et qu'on rigole un peu, mais visiblement, ces scènes-là elles sont sérieuses. Parce que c'est un peu la modération du jeu, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai à foutre en modération, moi là, tu vois, j'ai rien à foutre en modération. Donc en vrai, je crois que je vais me casser. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? On se casse? Dites-moi le chat, on s'en va? On se barre? On va faire autre chose? Ouais, ça vous arrêtez de me tirer dessus, oui! En fait, j'ai pas de bagnole. Malheureusement, j'ai pas de bagnole. Moi, je suis cadet. Je me suis arrêté, et dans ce coup, vous sentez votre arme sympa, non? Et du coup. J'étais arrêté au début, vous avez senti votre arme, c'est pas gentil. Ouais, j'ai ma voiture perso. Je pensais que vous aviez un creux pneu, moi, ça va pas, non? J'ai ma voiture perso, mais. Quelle course illégale? Je participe à aucune course. Mais le problème avec cette... Ouais, mais y'a pas de soucis, mais je fais pas de course, ma colère. Ok. Ah, c'est l'autre. Ouais, du coup. Oui, allez-y, on s'est entré de ce sujet-là aussi. Bon, vas-y, moi je vais me casser. Ouais, mais alors les courses, moi j'en ai rien à foutre, mec. Je sais plus, il m'a donné un prix, j'ai payé, hein. En vrai, on va aller faire du RP avec les autres, avec d'autres personnes. Voilà, on est en train de parler sur un véhicule qui vous aurait été acheté hier. Oui. Donc, vous voulez savoir si ce véhicule a bien été payé? Non, et le véhicule actuellement est de chez Mérignac. Ah, ça change complètement la donne. Du vol. Madame la gouverneure.
moi j'y vais. Greg, allez, donne-moi à boire, s'il te plaît. T'as pas à boire? Tiens, oh là là. Tiens, c'est à moi que tu parles. Mais ouais, c'est à toi. Moi, je m'appelle, t'as pas à boire. Je m'appelle. Tu m'appelles pas Greg. Je m'appelle George. On m'a dit que tu t'appelais Greg. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je te jure, c'est vrai, pas on m'a dit ça. Pas bon. Hey, George, t'as pas à boire? Si, j'ai des petits coca, mais je les garde pour moi parce que j'aime bien. Ok, merci. Pas bon. Ah, je m'en mets comme un petit fou. C'est des flics que j'ai croisés, non? Ils sont même pas arrêtés, quoi. Ils sont tous là-bas, je crois. J'aime bien la conduite de George, sa conduite personnelle, c'est son style ça. Bon, c'est un peu boring, il se passe pas grand chose hein, malheureusement. C'est l'heure du jugement. Comment on va à la Maze Bank encore? C'est super. J'ai peur.
dois y aller moi, mais je te dis Monsieur ouais. McCollet, redescendez d'un étage et revenez, vous, ça ira mieux. Non, je pense que tu dois te prendre un mur pour quitter toi. Bonsoir, Jean, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bah non, bah là, mais c'est pas grave, attends, regarde, si tu veux, là-bas, il y a la maquette, tu peux jouer avec si tu veux. Ah voilà, oui, c'est mieux, effectivement. Bon, on parlera après, Georges. Alors, monsieur le juge, vous êtes où, monsieur le juge? Je suis là. Ah, mes respects, monsieur le juge, mes respects, votre honneur, que puis-je pour vous? Alors, j'aurais besoin de vous dans une affaire donc concernant le secrétaire général qui aurait eu des propos diffamatoires envers votre personne et la LSPD. Monsieur Pilon, ici présent, m'a dit que vous étiez témoin, donc j'aurais aimé écouter votre témoignage par rapport à tout ça. Et je vous rappelle que vous êtes sous serment, monsieur McCollet. Oui. Je te mute, désolé, putain, je tousse les mecs, du coup je mute, démute. Lorsque j'ai pris mon service ce matin à 9h00, le 15 avril... mes collègues se sont retrouvés étonnés, ils sont venus, ils se sont jetés dans mes bras, ils avaient des larmes aux yeux, c'était beau. Je dis mais chef, vous êtes pas mort, chef, vous êtes pas mort. Je me dis, comment ça, pourquoi est-ce que je serais mort? En fait, j'étais parti à la pêche et à la chasse avec un collègue, un ami, très sympathique, un vieil homme, Marcel Guézé, très très gentil. Je connais pas, mais je doute pas qu'il soit gentil. Ouais, il m'entendait parce que ça passe sur TS1. Je suis mute sur le stream. Enfin, je suis mute sur OBS du coup. Oui. Mes collègues arrivent comme ça, ils disent, mon dieu, mais c'est terrible, on croyait que vous étiez mort, on vous annonçait votre mort. Oh, il était mort. Il y a un collègue qui me dit, ah, t'es un fantôme. Comment ça, quoi ça? Là, je commence à voir rouge, vous voyez. J'appelle ma femme. Elle pleure en me disant, c'est un canular, c'est pas drôle. Mais non, Bibiche, c'est ton collet, il est là, ton petit maquis. Le gros connaît, elle pleure au téléphone, c'est terrible. Et puis j'entends mes enfants qui pleurent quand elle dit papa il est vivant, papa il est vivant, vous voyez? Oui, donc c'est monsieur le secrétaire général qui vous aurait annoncé mort, c'est ça? Oui, oui, mais il y a mes collègues qui m'ont dit voilà, monsieur le secrétaire général a dit que vous étiez mort. Bien sûr. S'il vous plaît. Salut mon petit, merci pour le follow. Putain, je sais pas pourquoi le. Vous aussi, vous avez le follow qui passe en double là, à chaque fois. Enfin, la musique du follow qui passe en double, c'est trop chelou. Faudra que je remette ça. Je sais pas pourquoi ça bug. En tout cas, je l'entends en double. Merci en tout cas Wanted pour le follow, bienvenue sur la chaîne du Quai des Georges. Bon, ce soir c'est assez calme, hein. on va pas se mentir. C'est en mode jugement. Donc on va voir si ça va partir un peu en sucette tout à l'heure. Mais bon, merci pour ton follow, on s'égare par contre. Et bienvenue. Effectivement. Oui, je comprends. Je comprends qu'il soit énervé et que voilà, effectivement. Ouais, je comprends bien. Merci, monsieur McCollet. Vous avez autre chose à rajouter? Mais ça, je parlerai pour moi. Oui, oui, alors ça, c'est bon. Il a pleuré, je l'avais jamais vu pleurer. Il est détruit, il le dira pas parce que c'est un homme fier. Bon, sinon, ça se passe sur le chat là, faites-moi un peu de bordel là, spammez-moi des choses, faites-moi rire aussi. Oui, bien sûr. Je dois vous dire que j'ai. Racontez-moi des histoires. Non, mais alors, c'est ce que je t'ai dit. Comment ça va, Wanted? Oui, bah oui, je suis sous serment. Présente-toi un peu. J'ai bu un petit coup avec l'officier Tush, mais j'ai pas pleuré. Par contre, j'ai été appelé ici aussi pour une affaire de délit de fuite, alors oui, c'est alors un peu particulier. On traitera ça après, on va juste rebondir là-dessus. Okay, On va juste laisser la défense rebondir sur ces faits-là par rapport à la diffamation encore et au fait d'annoncer une personne sergent de la LSPD comme mort. Les jeunes, ils appellent ça la fake news. Très très méchant, c'est la fake news. Alors si vous pouvez, du coup, on vous écoute. Oui, y'a pas de problème, alors j'étais dans un véhicule avec Stan. Vous m'entendez là? Maintenant ils viennent passer son grade et on parlait un peu de femmes, etc. Oh, Kimberly! D'un coup, il dit viens, je fais une blague. Je fais une blague. Je dis ah ouais, quoi? Il dit ouais, je sais pas. Et je lui dis ouais, tiens, tu dis comme quoi McCollet est mort. Et il l'a dit. Et après, c'est, bah, c'est calme le chat, hein. Du coup, tout le monde l'a cru. Tout le monde est en mode j'écoute le. Il dit je vais me faire tuer maintenant de leur dire que c'est une blague. Et je sais pas le si jugement?
C'est un grand farceur, monsieur le secrétaire général, j'ai l'impression. Après, si je peux compléter les dires de mon client, si même la femme... Ah non, putain, ça m'a fait implanter encore. ...si présent, n'était pas au courant, je pense que ça a été également un probable... Oh non, putain, faut que j'arrête d'accepter les bonbons. Ah, je reviens sur la scène, les gars, désolé, mais j'ai encore crash. Putain. Enfin, oh merde, faut que j'arrête de dire des gros mots, c'est pas bien. Genre, je vais pas être content. Ouais, t'as raison, Max, mais c'est vrai que c'est un peu boring, là, hein. Il se passe pas grand-chose. D'ailleurs, merci à ceux qui restent, même quand il se passe rien, ça fait plaisir. Ouais, leur scène, là, de jugement, putain, faut avoir envie, quoi. Faut avoir envie. Je relance les mecs, désolé, hein. Je sais pas, à chaque fois que j'accepte un... c'est pas possible que ça vienne de mon ordi, hein. Ça doit venir de leur script de serveur, parce qu'à chaque fois que j'accepte un truc, je me mange... ok, Cacharel. Je me mange un bac. C'est hyper chelou. Hein. Un crash du jeu, quoi. Simer Bourinos, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien mec. Merci de suivre le cas des Georges, j'ai crash, je relance là. Merci à toi pour le follow Bourinos. Ouais, il est en doublon le truc, il faudra que je le règle, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais. Bah tiens, je vais le faire maintenant en 30 secondes. Ça évitera que. Hop. Maintenant que je sais comment on fait, hein. Parce que je débute dans le game. Désolé mec, hein, je reviens vite au jeu. Mais de toute façon, vous loupez rien puisqu'il ne se passe pas grand chose. Bientôt une cam aussi les mecs, hein. Je pense que voilà, je vais. Ça va être un passage obligé. Faut juste que j'en achète une qui soit suffisamment cool. Alors. Là pourtant ça marche, c'est bizarre. Genre je vais changer. Oh ma, marche pour le follow. Oh merci. Oh ce matin, un follower, il a tué un streamer. Voilà, ça devrait venir, je reviens en live les mecs. Dans quoi je bosse, Max? Je suis graphiste. Voilà, j'ai ma boîte de com. Je vous remets la scène, les mecs. J'ai ma boîte de com voilà, à Paris. Je suis designer graphique. Donc, forcément, ça aide à faire tout ce qui est design graphique autour de la chaîne très rapidement, puisque c'est mon travail de tous les jours. J'ai fait des trucs un peu cons, un peu les dessins de Georges dans mes boutons et dans l'univers coloré guignol du stream. Voilà. Et avec nous, Madame le gouverneur. Ah, pardon. On revient au live. Il a complètement refusé de collaborer avec les services du LSPD. Sans compter donc ce que vous racontez au niveau de la mise en danger et du refus d'obtempérer. Alors, il fout la merde de partout et il essaye de buter la secrétaire.
propriétaires soient destitués de leur véhicule. Oui, j'avais vu. Venez avec moi, venez avec moi. Non, ça me paraissait quand même bizarre de voir que... voilà, vous parliez avec des bikers par rapport au fait... C'est vrai, j'ai entendu... attendez, je cite ce que j'ai entendu. Comme quoi, les speedy avec autre chose à faire que des personnes en justice. Parce que j'ai entendu ça, après, peut-être que c'était peut-être du bluff. Hein, la LSPD avait quoi appâter les... Il y avait un membre de la LSPD qui a discuté, qui a parlé fortement, et dit que... attention, peut-être c'était un coup stratégique, hein, mais j'ai entendu le terme, que vous n'étiez pas fait pour envoyer des gens... Alors, messieurs, si vous voulez, on va aller vous et moi devant les juges, et vous allez... Parce que j'ai signé... Voilà, je suis sous serment devant les juges. Oui, bien sûr. Je suis sous serment devant les juges, si je mens, c'est la peine de mort pour ma gueule, d'accord. Alors avant d'aller raconter, encore une fois, on en revient toujours même sur les toits, que je suis... parce que vous parlez de moi là, hein, corrompu, qui fait du business avec les bikers dans des endroits sombres et cachés et désaffectés. Soit vous venez me voir avant et on en parle, soit vous allez voir les juges en règle ça devant la justice. Hein. Comme vous voulez, monsieur. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. J'ai essayé d'en discuter avec Kirby. Il m'a expliqué un petit peu, mais moi, j'avais pas trop compris. Donc, moi, après, j'ai jamais eu Oui, en gros, vous essayez de me faire tomber, quoi. Non, loin de là. C'est juste, j'ai vu madame. Et pourquoi vous voulez pas que je dise votre nom ? Travaillez quoi ? C'est quoi votre poste à vous maintenant ? Mon poste ? J'ai. Au sein du. Où est-ce que je travaille ? Ouais. C'est que je ne veux pas que mon identité soit. Publiquement donné. D'accord, mais vous travaillez où ? Vous faites quoi ? Dans la vie ? Ouais. Oh, je fais rien de particulier. Ah, c'est cool. Je donne. Non, mais monsieur, je sais pas pour qui vous vous prenez, mais évidemment, ça va être plus compliqué de diffamer sur le commissaire de l'Espagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges ? Oh bah. Je peux vous prendre la main ? Bah oui ! Oh, super ! Attendez, regardez pas ! Oh ouais ! Oh ! Le commissaire est en train de s'occuper de cet homme, donc on va pouvoir bouger ? Oh ouais ! Ah, je vois qu'il remonte. Ok. Du coup, les deux voleurs sont là. Ok. On va faire. Bon bah, deux personnes en patrouille et puis un avec moi dans le voleur. Ah mais attendez, il y a un. Est-ce que Cadet Georges va déclarer sa femme ? Bon, bah je pense qu'il est dans sa tête. Il est dans ses rêves. Ok, on va prendre celui-ci. J'ai à moi ? Ah j'ai à moi ? Moi je peux venir aussi ? Ouais, vous allez venir. Je pense qu'on va s'arrêter dans une supérette parce que j'ai besoin de me ravitailler. J'ai plus de procédure. Ah oui, la procédure. Ah. Oui, Georges. Je suis obligé de monter 4 fois dans l'auto, sinon c'était des gros mots. 3. Sinon quoi ? C'était des gros mots. Ah bon ? 4. C'est bon. Et bah voilà. Bah ouais, voilà. Et ben bah ouais. Vous savez quoi ? Ouais, quoi ? Si vous descendez pas la prochaine fois qu'on s'arrête, et ben je vous fais une surprise. Oh ! D'accord, on va s'arrêter à la supérette. Ouais. Je vous achète tout ce qu'il vous faut, d'accord ? Oh, je veux bien un coca. Un coca ? Ouais, il y a un petit bonbon. Un petit bonbon. Ouais, c'est super. Vous êtes super gentil avec moi que me brûlez. Bah oui, je suis gentil avec tout le monde. Il faut le dire à vos agents, vos amis policiers, hein. Qui me brûlez, gentil avec tout le monde. Oui, je dirais que me brûlez, elle est gentille. Vous restez là, Georges. Oui, je reste. Sinon, pas de surprise. D'accord. La surprise. Merci pour le follow de Legends. Merci pour le follow, mec. Oui, d'accord. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Je t'ai vu, laisse.
La voiture elle est toujours démarrée ou pas dans ces cas-là? Ouais, c'est bon, c'est bon. On peut y aller, ouais. Excusez-moi. Hop là. Alors attends, les prochaines superettes, on va pas aller chez les autres. Ah, moi ça me gêne pas, ils sont super gentils avec moi. Ouais, ça va, mec, et toi? Ouais, ouais, moi je vais bien, écoute, je suis un peu malade, j'essaie de stream, c'est pas facile, puis c'est un peu les débuts du stream, donc voilà, ça commence, c'est cool. Merci à tous les personnes qui soutiennent et qui me regardent, ça me fait vraiment plaisir. Oui, allô? Oui, je suis sagement avec vos trois agents, ils sont super gentils. Ouais, je suis pas gentil, hein, pas. Normalement, il est encore avec le commissaire, hein. Ah, qu'est-ce pour lui ? Non, pas du tout, c'est un monsieur habillé en costume gris, très élégant, avec un nœud papillon. Ah, un vaca papillon sur son nœud ? Attends, Georges, deux secondes, je suis au téléphone, d'accord ? Ouais. Bon, mon petit téléphone. Oh, d'accord. Il m'a collé, je vous écoute. Non, mais il l'a donné au commissaire. Moi, il a refusé de me le donner. Il est avec le commissaire normalement. Ils sont montés ensemble. Avec plaisir. De même. Ils sont gentils comme tout. Ils sont adorables. Ah ouais, c'est gentil. Je leur donne une belle prime en fin de soirée. Et je vous jure que je suis hyper sage aussi avec eux. Je reste tout près et tout. Y'a pas de soucis. Ah ouais. J'ai bien compris que vous voulez que mon bien. J'ai fini par être raisonnable. Merci, moi de même. Gros bisous. Bisous. Et ben maintenant j'y... j'y manquerai pas. Là il m'aide à faire du shopping. Bon. Georges. Oui. T'as une couleur préférée? Moi je suis comme... j'aime bien comme vos cheveux. Rose. Ouais, j'aime bien. Voilà, je suis pas toute nuit. On va voir si c'est plus blanc. Regardez la gouvernatrice à poil. Je regarde pas, c'est bon. Oh la vache. Je suis excité. Le chapiteau dans mon pantalon. Le chapiteau dans mon pantalon. Le plus grand chapiteau du monde. Allez, tout de suite. Ah, la foufouille. Le foufouillon. Le chien foufouillon a l'air. Ah ouais. Bah ouais, bah évitez de regarder du coup vous aussi, non. Des gros ballons.
Ah bah pour jouer, pour jouer au foot avec Timmy tout ça. Ouais, non mais ouais. Ça te plaît, Georges? Ouais, super, vous êtes ravageante comme une belle colombe que j'ai rêvé d'un jour. Merci beaucoup. Allez, viens, Georges, on belle colombe qui se serait évadée d'un zoo, les mecs. Oh, début de la procédure. Hein? Oh mince, j'ai oublié de faire. Sinon, après, je me sens pas bien. Oui, je comprends. Quatre. Ah, c'est bon? Allez, on y va. On y va? Oh, qui me brûlait? C'est madame la gouverneure. Non, d'accord, Kimberly. Kimberly. Hein. Mais pour ça, c'est. Ouais, ok. Kimberly, je descends pas, Georges, hein, vous êtes pas une surprise. D'accord. Il a pas pu lui dire. Il a essayé, il a pas pu. Il est gentil quand même, hein. Ouais, il est gentil. Il est fatigant quand même, hein. Ouais, voilà. Ah, ma petite. Il va essayer, il va lui dire, il va lui déclarer sa flamme. Faire toutes les super étapes parce que gros street c'est gros street. Ok. Alors. Allez, c'est reparti, Georges, on tourne en voiture. Oh, tu veux super. Ok, pour rien, hein, genre. Tu veux chanter une petite chanson? Ouais, je sais pas, vous voulez quoi, je chante maintenant? On chante ensemble, si tu veux. Ouais. Moi, je préfère, c'est Chantal Goya. D'accord. Ouais. Tu veux chanter sur Matin? Un lapin. Le matin, un lapin. Je me dis bien, tu te chantes pas, Georges, hein? Oh, d'accord. Bon, bah, deux fois. Après. Alors. Oh, non. Ouf. Ce matin, un lapin, il va te chercher. C'était Bécassine. Il avait un fusil. Après, il avait tué Petit Panda. Parce que Petit Panda, il était pas gentil. Et c'était, il était un peu mongolo, Petit Panda. Ok, donne, bah écoute mec, je sais pas. C'est des voix, j'en fais plein en vrai. Hein. Avant, je jouais un Corse. Je peux te faire le feu, je peux te faire le Corse, je peux te faire le. Je peux te faire le Belge, je peux te faire pas mal de trucs en vérité. Hein. Ma voix de RP avant, c'était pas celle-là, je jouais un vieux Corse avant. Orsini, exactement. Je jouais Orsini avant. Et Orsini, ça donnait un truc comme. Oh putain de merde, enculé de ta race. Tu viens, je te prends, je te retourne et je t'encule. T'as compris? C'est clair? Putain de merde, je déteste tout, ces négros. Voilà. C'est Orsini, ça. Qui je devais voir? Ah oui, Jessie, le journaliste, excusez-moi, je passe un appel. Ah ouais? Oh, d'accord! Ah, mais je voulais vous dire quelque chose, moi. J'attendrai, Georges, on fait le roi du silence juste autant que je suis au téléphone. Oh, d'accord. Roi du silence. Ouais, c'est bon. Merci.
Bonjour. Vous avez perdu, vous avez perdu. Où est-ce que vous êtes qu'on puisse se donner rendez-vous? Tu l'as déjà entendu, Dawn Rito Orsini. Bah, il était sénateur avant. Sénateur de la ville, mais c'était bien entendu un sénateur ultra ripou. Hein. Je serai escorté par trois agents de police qui vous couvriront, mais voilà. Mais il y avait trop de protocole, voilà. Méta sur le perso, du coup j'ai décidé de revenir pour faire un RP. Bah, rendez-vous à la ville, d'ailleurs. Ouais, j'avais compris. Voilà, merci beaucoup. Et moins contraignant. J'suis désolé, ce doit pas être des soirées pas pour vous. Oui, tu peux reparler. Ouais, bah vous avez perdu, oh, la roi des silences, vous êtes pas fou, c'est moi. T'as jamais perdu, non, c'est vrai que c'est. Moi, je suis fort, je suis pas fort. Ah, ah, qu'est-ce que en fait, je vois quelque chose. Oui, dis-moi. En fait, quand je vous vois, j'ai comme à l'intérieur de moi, que dans mon ventre, Arrêtez-vous, je vais faire caca. Excusez-moi, un début de la procédure, hein? Oui, Un, deux. Vous voyez, madame. Un, trois. Et pourquoi vous virez pas? Un, quatre. C'est le cas des Georges, voyez. C'est bon. Il y a un petit lien affectif qui s'est lié, c'est tout. Déjà? Je suis content de savoir. Moi aussi, je vous aime bien, Kimbolé. C'est comme le petit autiste dans la famille, vous voyez. Oui, c'est ça, on s'y attache encore. Ouais, voilà. Un bandit ? Un panda ? Un bandit toujours d'achète. Allez-y, sortez, Georges, je vais lui fermer la voiture. D'accord. Hop là. Hop là. Bonsoir. Tout d'abord, je suis désolé, mais je vous en prie, monsieur, c'est la procédure. Eh bah, allez, Jimmy. Allez. Bonjour, monsieur. Je suis désolé, hein, c'est imposé par le commissaire et tout ça. Ah, monsieur Pilon est un peu. un peu procédurier, si vous voulez. Ah, désolé, excusez-moi, je vais devoir vous fouiller parce que pour la protection. C'est pour la protection, je vous fouille. Oui, c'est tout, monsieur. Pour pas qu'il y ait de problème avec mon diable que me brûler. Tiens, Georges. J'ai pu garder mon gars Michel. Ah bah. Je peux fouiller avec Bernard. C'est pas Georges, attends. Bah ouais, j'attends. Bon. Ah, mais t'es occupé, Georges. Tant pis, t'auras pas de bonbons plus tard. Oh non! Oh non! Là, j'ai les bonbons! Ok, je te donne ton bonbon. Oh ouais, d'accord. Bouge pas. Ouais. Ah, j'ai peur, j'ai encore tiens. Oh, merci. Merci comme bon. Attendez. Vous êtes gentil, vous êtes trop gentil. Bah écoutez. J'ai un bonbon, moi. Ah bah, très bien. On va monter. Vous êtes déjà venu? Non, jamais. Eh bah, venez. Tu fais la surveillance, tu laisses personne rentrer, d'accord, Georges? Oh non. Ah mais il croit que je vais faire la surveillance ou quoi, il rêve lui. Oh c'est bon, c'est bien surveillé, c'est bien, c'est bon.
Ok, Cacharel, je suis pensé, ça va être compliqué. Ah bah c'est pour ça, on est détendu au journal, détendu. D'accord. Alors allez, c'est qui ce matin? Ah oui, alors j'ai un problème majeur. Nous avons un hélicoptère vert, madame. Vert pomme. Alors je sais que vous aimez beaucoup le vert pomme, mais la police essaye de nous tirer dessus en permanence. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils savent pas que le vert pomme c'est le journal. Donc en fait. Non mais ils s'inquiètent quand ils nous voient arriver, puisque forcément vert pomme. Voilà. Et en fait, on voulait le custom, mais en fait, ça appartient à la base militaire. Et la base militaire, on n'est pas propriétaire forcément. Donc on peut pas changer la couleur. Pourquoi le relou? C'est ballot. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon premier problème. Mais après, vert pomme, c'est joli. Hein. S'il avait été rose, je vous l'aurais offert. Mais... Ah, ouais, j'aime bien rose. Moi, j'aime mais, bien. Malheureusement, il est vert pomme. Alors, c'est mon premier. Je joue avec les ballons, je pense. Ouais, d'accord. Joue avec le ballon, d'accord. Ouais. Voilà. Ensuite, demain, je ne sais pas si vous avez reçu l'invitation, mais on fait une petite soirée. Du coup, oui, la soirée qui avait été. Je vous remercie. Alors... Hein. C'est 21h30, c'est ça? Oui, ou ça sera. Bah, après, vous venez comme vous voulez, mais nous, on va commencer à 21h30. Voilà, normalement, je vais être là. Alors, ça sera pas ici, c'est juste à côté, si vous voulez dire à la sécurité, c'est dans la rue en face, il y a un endroit un peu sécurisé. D'accord, très bien. Donc, bah, de toute façon, j'imagine qu'il y aura des voitures et tout ça. Hein. Oui, mais on essaie d'être discret, il y a un petit parking caché, et l'accès, il n'y a qu'un seul accès, ça facilite un peu les choses. En fait. D'accord. Il y a ballon. Donc comme ça, personne peut rentrer, enfin, les gens peuvent rentrer, mais il n'y a qu'un seul accès. Quoi. Attends, Georges. Ouais. On est passé devant le distributeur tout à l'heure. Oh non, j'ai pas vu. Va chercher, d'accord, je te donne un peu d'argent. Je cherche un petit Nesquik. Oui, et tu vas t'offrir quelque chose qui fait plaisir dans le distributeur. Oh d'accord. Oh merci, c'est gentil, vous êtes vraiment la plus gentille comme brûlée. Oui, je sais. Merci Georges, à tout à l'heure. Voilà. Ça c'est. Voilà, donc je vais donner demain parce qu'il y aura les. Ils veulent pas de moi. Ils veulent pas jouer avec moi. Oh, tu es là. Moi, j'ai appris un petit coca. Voilà. J'ai fait le tour. Est-ce que. Un petit Nesquik. Par contre, c'est vrai qu'en termes de véhicules sur le CNN, on est assez limité. Donc, si on veut faire des événements un peu plus costauds, bah. Par contre. Bah, vous savez, on est un journal, on transporte des gens importants. Et si on peut avoir des véhicules un peu sympas, des petites berlines. On est pas nombreux, on va dire déjà si on en a deux, c'est bien. Hein. Désolé mec, je prends un petit bonbon pour ma gorge parce que j'ai trop mal. J'ai mis 2 secondes. Alors, oui, une petite berline 4 places, c'est pas mal, et un SUV, c'est pas mal. Ouais, 4 places, c'est pas mal. Ça fait un peu classe. C'est parti. Vous m'entendez là? Oui, mais rouge ou noir, par exemple. Rouge, c'est la couleur du ciel. Pas ou du pas du team life, parce que c'est un bazar. D'accord, bah écoutez, je ferai la demande et puis je peux pas vous garantir que ça se fera. J'ai appris une petite barricade de jus d'orange. C'est bien, genre. Non, en fait, j'ai appris un petit coca. D'accord, bah écoutez, j'ai noté en tout cas. Voilà, donc si on pouvait avoir ça, ça nous aiderait bien. Et puis voilà, rien d'extraordinaire. Oh, merci, Georges. J'en fais plaisir. Excusez-moi, j'ai un appel important. Je suis vraiment désolée. Oui, cache-cache. Je me cache. Oh, d'accord, je me cache. Ah ouais, je pourrais me cacher. Allô? Aïe. Ça est tombé. Ah là, je passe, c'est bon. On va venir me chercher. Je suis caché. Bah ouais, c'est ça les mecs, vous regardez la chaîne d'un débile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est con. T'entends cache-cache, lui il pense qu'on joue, tu vois. Oh, tu m'as caché. Tu t'es dit,
suis pas très bien caché en réalité. Hein. Est-ce qu'il y a le meilleur plank? Bah, peut-être que j'aille me chercher un pansement parce que. Ouais, pas de soucis. Donc voilà, si vous pouvez éventuellement m'accorder une interview à un moment donné dans la semaine, ça m'arrangerait bien. Ah oui, tout à fait, oui. Pour savoir un petit peu. Bah... Ah, moi je peux pas faire de serious RP, les mecs, je suis Keblo. Je suis Keblo en mode mongol. Les seuls moments où je peux faire du serious, c'est quand. Et encore, c'est quand j'ai un dédoublement de personnalité provoqué par un choc violent. Avec à l'issue de la soirée, on peut vous m'avez pas trouvé? Oui, tout à fait. C'est juste pour savoir un petit peu bah, comment ça se passe sur l'île depuis que vous êtes arrivé, comment vous vivez les choses, ouais. Etc. Et c'est ben, petit... c'est ça tous les jours de repos, je peux vous dire. Hein. Oh, ouais. Oui, mais justement, j'aimerais avoir un petit article sur ça, sur vos premiers pas sur l'île, on va dire. Ah, bah tiens. Elle avait marché un papier après l'autre. Ah, bah, c'est tout. Vous êtes débordé. Ah, vas-y, si tu veux vendre des bateaux, c'est maintenant. Je l'ai voulu, hein, mais. Ouais, non, oui, bon, je vois qu'elle est. Ouais, ça déborde, là. Ça déborde. Je ne cache pas que ce soir pour l'interview, c'est pas l'idéal, donc je suis un peu fatiguée. Pas de problème, on la fera demain. J'ai envie d'aller dormir. On la fera quand vous aurez bu un petit peu, ça sera plus drôle. Oui, voilà, je serai un peu plus. Ah ouais. Si vous voulez, j'ai une bouteille de champagne, là, sur moi. Non, je suis vraiment désolée comme ça, ça vous laisse tout le temps de préparer l'interview et puis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on se remet ça, il n'y a pas de souci. Je pense que si tu donnes le champagne, elle dort ici toute la nuit. Oui, je pense que voilà, je me cale sur vos petits coussins roses et je m'endors. Mais là. Vous inquiétez pas, mais le tapis il est super épais, super doux, hein. Vous posez. Non, mais je là, on a des petites couettes là dans le grenier à côté. Ah ouais, moi je vois bien, moi. Ah oui, vous voulez venir dormir ici là? Ouais, c'est notre job. Ouais, ça pas être bien. Ça la petite. Là. Ah, parce que ouais, bah, mon boulot de gouvernatrice il me fait lever demain à 7h, hein, donc j'ai vraiment envie de le coucher. Ah oui, ah bon, bah alors on va vous libérer. On va vous libérer parce qu'en plus, écoutez, il y a de bonnes chances que demain, après je peux pas prévoir, hein, mais toutes les soirées sont imprévisibles, mais il y a de bonnes chances que demain je puisse vous accorder l'interview, d'accord? D'accord, ça marche. Bah, voilà. Ça donc faire changer la couleur de l'hélicoptère. Eh bah oui, parce que vert pomme, ou alors rose. Vous la voulez en rose? Bah non, mais déjà en rouge, ça serait bien. Après, en rouge, ce serait bien, d'accord. Ah, oui. Excusez-moi, j'ai un appel. Encore? Important. Oui, Voyat? Ah. J'ai essayé de t'appeler, ça répondait pas. Merci pour le follow, monsieur perdu. Aidez-moi. Écoute, je crois qu'on est dans la même situation. Enfin, t'es dans la même situation que Kadé George. Kadé George est perdu. Merci pour ton follow, mec. Ça me fait plaisir. Bienvenue sur la chaîne du Kadé George. Allô? On va en parler parce que ça c'est ok si attendez. Allô? Je suis avec des journalistes. Hop. Écoute, il faut impliquer la voix, Faut faire des journal. Ah bah oui, c'est ça, ouais, on fait des journaux avec des papiers et tout, on écrit des trucs dessus, ensuite on les vend. Ah, super ça. Bah oui, c'est super cool, on écrit plein d'histoires magnifiques. Vous pourrez écrire une fois, bit. Un bit dans un article? Ouais. Bah, je pense que c'est un super challenge. Ah bah oui, allez, décidez ce que t'en penses, écrire bit dans un article, c'est pas mal. Je suis content. Oui. Vous pourrez dire que c'est genre qui l'a dit. Bah, c'est un gros mot, faut pas dire. Bah allez, c'est parti, on mettra beat avec monsieur le cadet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, y'a pas de soucis. Sera... Vous voulez qu'on fasse un article pour vous, spécial? Ouais, super. Avec, donc ce sera quoi le titre? Beat? Ouais. Et puis aussi, Popotin. Si vous pouvez mettre Popotin. Popotin et beat. Ouais, bah, ouais. D'accord, on va faire ça, d'accord. Popotin et beat, t'enregistres ici, hein. Ouais, aussi vous pouvez. C'est une idée en or, ça. Vous pouvez mettre girafe, après vous pouvez mettre perpendiculaire, et ensuite vous pourrez mettre crotte de nez.
Alors, le popotin de la girafe perpendiculaire avec des crottes de nez, c'est ça? Oh, ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça, parfait, c'est ça! Ouais, c'est exactement ça! C'est parfait, c'est parfait! Ouais, tout est parfait! Ça, c'est un poème! Ça, c'est un poème! Vous m'entendez ou pas? Je sais pour qui me brûler! Je sais pas! Vous allez laisser tranquille! Du coup, je vais aller me coucher, moi! Ah bah y'a pas de Et puis je vous dis demain je vous accorde l'interview, ok, on fait comme ça, demain soir ça marche. Donc aller à jeudi tout ça, on fait ça demain soir. Ouais comme ça ça sera réglé. Voilà. Vous avez l'air déprimé putain. Bonne soirée. Bah oui. Ah oui, vous reposez-vous et... parce que vous avez l'air fatigué hein. Un petit peu, pour réaliser le moment. Bon bah écoutez, à demain alors hein. À demain. Une soirée qui fait peur, une soirée d'épouvante. Ouais, de l'épouvante. C'est cool ça. Ah ouais, bisous. Ah. Bisous. T'as fait un bisou, t'as vu les gens. Hop, on va prendre l'ascenseur. Ah ouais, on va. Non, Georges, c'est pas l'heure de jouer au jeu. Ouais, je les raccompagne, je les raccompagne, je les raccompagne. Ah oui, vous êtes monté sur le toit. Sacré toi, je sais pas si vous avez vu la vue, mais ça déchire. Hein. Encore, qui brûlait après vous, quand vous serez quand vous serez dans l'auto, moi je pourrais faire ma procédure. Toi, ils sont pas mal ces SUV-là, bah, c'est les mêmes marques. Ouais, non, mais ça c'est. Ils sont blindés, hein. Mais... Ouais, ouais, ils sont blindés. Oh, y'a. T'as plus de procédure, hein? Hop là! Allez, Georges, attendez! En fait, une heure passée avec Georges, c'est 4 heures normales, en fait. Moi, j'ai pas le. En termes de fatigue, de sommeil, tout ça. 4, c'est bon? Allez, direction le gouvernement! C'est parti. Direction, regarde, le gouvernement, à droite. Gouvernement à droite. Ah oui, droite, ouais. Bon. Ouais, c'est bon. À droite. Ouais, non. Allô. Ah bon, va. Je raccroche et j'essaie de vous rappeler. Salut Novaching. JP. Ah, faites demi-tour dès que possible. Attention à l'angle mort, parce qu'il est mort, alors faut faire comme en attention, pas lui marcher dessus. À droite. Ok, me brûler. D'accord, qui me brûler la crotte de nez. À droite. À droite. Vous me perturbez, Georges. Oh, moi, je rappelle. J'étais amoureux qui me brûlait. Je peux pas être amoureux de vous aussi, hein. Non, mais vous me perturbez. J'arrive pas à conduire à cause de vos petits les yeux qui tombent. Ah bah. Georges. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah bah, j'ai rien fait, moi. Mais oui, bien sûr. Vous avez raison. Ah, qui me brûlait, je peux mettre ma main ici. Non, Georges. Oh, boum. Boum. Boum, boum. Eh, je me suis trompé, voilà, j'en ai marre. C'est à cause de vous, Georges. À droite. Ah, voilà, hein. Ouais. Faites demi-tour dès que possible. Enfin, faites attention. Il y a peut-être des embouteillages, faut sur votre itinéraire, tu vois. Jusqu'à la petite maison de la prairie. Avec Bekessine et aussi avec Pan du Panda. À droite. Je sais pas contre vous, mais j'ai déjà le GPS, arrête. Oh bah y'a. À gauche. À celle-là, ça sort jamais. À droite. Là. Qui me brûlait, ça vous dérange pas, je me m'envoie ici. Oh, qui me brûlait, vous êtes belle. Attouchement et elle ne dit rien. Je pense que c'est dans la poche, les mecs. Je sais pas pour vous, hein, mais moi je pense que c'est dans la poche.
Je pense que c'est win. Et ben sauvage, je l'ai trouvé Kamas, hein. Je suis arrivé en... en one shot, enfin voilà, je suis arrivé comme ça, j'ai dit voilà, je vais faire un KD Cotorep, ils sont obligés de m'accepter dans la police et je savais pas comment j'allais jouer, voilà, c'est venu. Ah c'est bon, on est arrivé, tout le monde qui peut détacher ses ceintures et puis relever la tablette et puis on est bien arrivé. J'espère que vous avez bien aimé le voyage parce que c'était bien, c'était sympa. Je crois qu'on a perdu la gouvernance. Ah bah tiens, comment ça? On l'a perdu? Oh, qu'est brûlé? Oh non, je vais la chercher. Merci merci sauvage, c'est cool. C'est cool, si ça te fait plaisir, si ça te fait kiffer mec, c'est le principal. Et merci pour ton message, c'est sympa, ça me touche. Ah, elle est où comme brûlée? Je monte. Début de la procédure. Hein? Y a pas encore de commande mec, mais il est en dessous. Deux. Trois. J'ai trois. Excusez-moi, commissaire, est-ce que vous auriez le numéro de la gouvernatrice? Quand c'est bon, on peut y aller parce que moi je suis bien installé, je trouve que c'est bien confortable, qu'on est vraiment bien, et puis en plus j'aime bien la couleur de la voiture, elle est belle. Et puis aussi, vous êtes gentil, alors si vous voulez, je peux vous faire un petit carré, un petit carré sur la nuque, un peu un petit bisou de loin. Apparemment, elle serait. Ouais, j'ai refait un Discord pour ceux qui veulent se mettre sur ces Discord là pour pouvoir parler, faire une petite commu, voilà, tout le cas des Georges. Et surtout, si vous avez des envies RP, des trucs à partager sur le podcast des Georges, des petites idées, bah je suis prêt à les prendre en compte. Ça peut être intéressant. Ouais. 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 T'étais avec quel disco? T'étais sûr qu'elle était là jusqu'au bout? Oh, je sais pas. Je la vois aussi. Oh, je la vois, elle est belle. Merci Néo, c'est genre, cool. Merci. Ça va bien. Salut Hervé RCD. Faut faire magie. Vous avez fait un malaise sur la route, du coup bon. Moi j'ai un comme brûlé, si vous voulez, je peux me transformer en Gérard Malax. Tiens, si vous voulez. Oh, Gérard Malax, Malax. Oui, Malax. Le plus blanc. Oui, Malax. Bah oui, c'est bien ce qui me fait peur. Ah non. Bah écoute Maxi, j'avais proposé à Bob de le faire parce que à la base mon perso c'était ça. Mais c'est là ça devient vraiment du sérieux, serious roleplay, c'est plus du tout du lol comme le cas des Georges. Mais oui, j'avais proposé à Bob et Bob m'a un peu répondu qu'il fallait que je reste en mode clown quoi. Qu'il kiffait ce RP et que j'étais bien un peu à ma place. Donc moi ça me dérange pas parce que je vois que ça vous fait kiffer et je suis content de vous faire kiffer les mecs. C'est vrai que ça me permet pas de faire un RP sérieux, c'est que ce serait bien si le cas des Georges c'était un RP un one shot que je puisse sortir de temps en temps pour rigoler un peu. Mais avec plaisir. Mais voilà, on verra, je serai chaud. Oh ouais, je vais avoir un cadeau. Une petite prime. Oui, mon petit Jean. Oh merci. Oh mais tu perds. Attendez, je vous embrasse. Non, pas du tout. Merci. Oh, bonbon, je vais avoir un bonbon.
Merci pour le follow, Youpi. Comment je fais pour le faire? Est-ce que c'est possible de vous parler, moi et Tyrone, plus tard? Ah oui. Voilà. Commissaire. Ah, j'arrive pas à avoir mon bonbon. Est-ce que c'est possible de vous parler en privé? Attendez, j'ai rendez-vous avec madame la police. Ah, ok, bon là je crois que je suis un petit peu amoureux de vous. C'est ma première fois que j'ai ça. Je me sens Les papillons dans le ventre, tout ça. Ouais, mais comme quand je fais caca mou. Mais sinon, c'est parce que j'aime bien vos cheveux. Ils ont la tête une bonne barbe. Après je pourrais la manger. Après vous avez des gros plots. Ça me plaît, tu vois. Je peux toucher? Non. Merde. Faudrait faire du Georges en civil aussi. Ouais, mais on peut faire du Georges avec tout, hein. Ah oui, bah oui, elle a très grand honneur, c'est sûr. Allez, retourne en patrouille, les gars. C'est où le donneur? Ouais, un très grand honneur. Oh, cadet major, demain faut que tu sois là, j'ai plein de nouveaux cadets à te présenter. Hein. Je suis pas sûr. Qui rencontre le meilleur des cadets, quoi. Ouais, je suis pas sûr que je suis là demain. Ah oui, c'est le meilleur des cadets, il restera un cadet. Ouais, c'est moi, et puis. C'est moi, meilleur. Le meilleur des cadets. Le meilleur de tous. Allez, en patrouille, Georges. Ouais. Mais il se barre sans toi. Cours, Georges, quoi. Oh, ouais, d'accord. Attendez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Vous allez partir sans moi! Début de la procédure? Elle est vraiment. Ça a failli me tomber sur ma tête à moi! Il y a deux! Attends, trois! C'est ça. On peut mettre les pompons. Oh ouais, super. Oh, plus vite. Ouais, les pompons. Vous voulez les pompons, genre? Ouais, j'aime bien. Vous connaissez la chanson? C'est tout serré comme la femme à ma collée. Ouais, tu... c'est ça la chanson. Vous pouvez la chanter avec moi si vous voulez. C'était tout serré comme la femme à ma collée. Après moi. 1, 2, 3. C'était tout serré comme la femme à ma collée. Comme la femme. Cimer Hervé RCD. Ouais. Ça fait plaisir, mec. Tyrone. Oui, ah, tire les papons sur les chihuahuas, ça peut être lourd, Bruno. Ah, Gregor, ça peut être lourd. Je comprends pas pourquoi tu vous avez fait ça deux fois déjà. Pourquoi vous avez répondu pour la troisième? Je sais pas, Tyrone, je me suis dit cette fois ça. Ah oui, oui, ne pas être en service. Ouais, faudrait. Mais je le fais de temps en temps. Quand même, le temps qu'on a passé chez le juge. Ah, c'est le juge. Il est gentil. Eh, hey, cadet. Ouais. Tenez. Papa, arrêtez. Vous le mettez ou vous le mettez pas, mais vous le mettez ou vous le mettez pas. Quelle heure il est, les mecs? Vous avez l'heure, je suis désolé, mais c'est juste parce que j'ai pas l'heure. Allez, cadet. Ouais. Allez me réveiller dans le PDP là-bas. Ils
T'as des pédés, oui, t'es pas bien, t'es un gros mot. Ouais, c'est une urgence. C'est une urgence de ouf. Je vais pas trop tarder à stopper les mecs. Il y a des explosions. Oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, moi aussi, j'ai des fois dans mon pantalon. J'ai des explosions, après, j'ai du caca. Ah ouais, merde. Ah ouais, merde, le mec. Mais là, je pense qu'il en manque au moins deux. Oh, il manque pas des zéros. Ah ouais, mais là pour le job, là, ouais, non. Bah ouais, ça va, mais je suis malade et tout, c'est la merde. Et puis, je vais vous dire, écoutez les mecs, physiquement, je suis épuisé. Un service, moi, que je vais me reposer un petit peu. À force de rigoler toutes les minutes et de jouer ce perso qui. Ah bah, au bout de. Je vais me dormir. De 2h, 3h, je suis rincé, les mecs. Tel un homme traumatisé. Mais on va faire un petit débrief. On papotera après si vous voulez pour le faire du live. Ouais, je viendrai patrouiller. Aïe, 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 aïe. Ouais. Vous voulez un Nesquik? Moi, je vais me prendre un Nesquik. Ah, y'a là, hop. Merci pour le follow, Y7E. Ouais, putain, vous avez des pseudos, les mecs. Mais merci pour le follow, ça me fait plaisir, mec. J'espère que tu y feras le live et le KT Georges. Oh, KT moi, Georges, à votre service, qu'est-ce que je peux faire pour votre service? Bonsoir, monsieur. Ouais, bonjour, bonsoir. Je suis chauffeur de taxi. Ouais. Il y a trois individus qui, au moment de me payer, quoi, ils sont partis en courant, quoi, voilà. Et ils m'ont fait faire tout le tour de la ville en m'insultant, etc. Ah ouais. Ouais. Oh bah, comment... Ou est-ce que je vous donne leur comment dire, leur signalement? Ouais, ou... après, comme vous avez bien couru, vous avez dû maigrir un petit peu, au moins un ou deux kilos. Ah bah j'ai pas couru, mais c'est comment dire, je les ai emmenés faire le tour de la ville, vous voyez. Il y en avait au moins pour 1000$ et voilà, ils sont partis en courant, quoi. Où est-ce que je vous donne leur signalement ou... C'est quoi signalement? Ils sont trois, ils sont ouais, habillés pareil. Je compte sur mes doigts. Hein? Avec des petits chapeaux melons, vous voyez. Deux? Avec des melons? Des petits chapeaux melons, ouais. Des chapeaux qui ressemblent à des melons. Voilà, okay. Exactement, ouais. Un peu anglais, vous voyez. Je comprends rien. Bon, bah écoutez, je repasserai au pire. Ouais, super. Ça marche. Bah ouais, bisous. Ouais, bisette. Swag, le swag, les mecs. C'est juste white, quoi. C'est white en fait. C'est on enlève le V. Ah ouais, il évite facilement la paperasse, Georges. Hein. Il se fait pas chier. Hein. Georges, il a jamais rempli une plainte. Vous voulez voir le répertoire de Georges? Voilà, parce que les gens essaient de lui donner leur numéro, mais Georges, il compte sur ses doigts. Donc si je vous montre le répertoire du cas de Georges, ça se limite à ça. Et je crois que le mec là, il n'existe plus. Donc voilà. 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 Le cas de Georges, c'est ça. Voilà. Bon, je vais stopper là, les mecs. On va se mettre en mode fin de live. Et si vous voulez qu'on discute un peu. Ben, moi, ça me fera plaisir de discuter avec vous. En tout cas, merci d'avoir suivi les aventures du KD Georges ce soir. C'est mon deuxième live. En moyenne 15-20 personnes en moyenne. C'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas un streamer à la base. Je pense que je vais essayer de peaufiner le truc, d'ajouter un peu de cam parce que je suis sûr qu'il y a des mecs qui veulent voir ma gueule. Et Dieu sait qu'elle doit être vraiment jolie, notamment quand je bafouille, je suis à fond dans le personnage, j'ai l'air de rien. Mais
j'ai été sur rien du tout avant, j'ai fait du 5M avant, voilà. J'ai fait du 5M avec Zinedine Zidane qui est modo ici. Et non, j'ai pas fait d'Adasra, j'ai essayé de... Là, pensant que le serveur allait mourir... excusez-moi. Pensant que le serveur allait mourir, j'ai décidé d'essayer d'aller sur Adastra. Et j'ai passé le premier truc là, le premier questionnaire QCM que j'ai réussi, mais j'ai pas essayé de passer l'entretien vocal. Parce que pour l'instant ça se passe bien ici et puis voilà, je m'amuse bien quoi. Combien de temps ça fait que je fais du RP? Bah ça doit faire 2 ans que je fais du RP, mais ça fait 1 mois que je fais le KD genre, j'avais jamais fait ce perso avant quoi. J'invente quoi, j'invente au fur et à mesure, j'invente. Et voilà. Et si vous restez un peu en live encore, hein, je ferai un petit raid sur Zardoz et j'enverrai mes 23 viewers parce que c'est vraiment un mec cool. Et je sais ici qu'il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup. Et ça me ferait plaisir de le raid avec 23 personnes, ça sera déjà pas mal. voilà, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas à aller sur mon Discord. Si vous avez des trucs à insuffler pour le RP du KD Georges, je suis preneur. Parce que, effectivement, bon, bah, le KD Georges, je peux en inventer, hein, faudrait que je me penche un peu sur la question. Mais je suis preneur aussi d'input RP. S'il y a des trucs vraiment cool, j'aimerais bien les injecter dans le RP. C'est vrai que là, je suis en mode. En tout cas, incroyable pour ton RP, ta personnalité pour la deuxième fois que tu stream. Okay. Merci, Sauvage, c'est cool. Merci. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de. Merci, Mac. Merci pour le petit cadeau. Faut pas, mec, c'est cool. Vraiment, merci. Merci. Ça me fait super plaisir. Bon, sachez que les dons que je reçois, je vais réinvestir ça dans du matériel. Voilà, un bout de webcam exactement. Et parce que j'en ai une, mais elle est pétée en fait. La webcam, elle est vraiment nulle, donc je ferai ça. Le son. Comment ça, le son? Ah, le son, oui, bah ouais. Pour chaque follow ou don, j'ai des alertes que j'ai fait avec le. Ouais, j'ai lu, c'est la C920 ou la C922 de Logitech qu'il faut, ouais. Bon, moi j'ai lu la C920 en fait. Donc voilà. Bah écoutez, vous allez pas être déçus parce que franchement, quand je suis obligé de bafouiller tout ça, ça fait peur quoi. Ça fait peur. Je ressemble à rien. Je ressemble à un vrai Golemon en fait. Je fais vraiment le Golemon derrière le PC, j'essaie de jouer. Et du coup, je prends les mimiques du Mongol quoi. Je prends les mimiques du Kotorop. Hein, j'ai rien contre les Kotorop, les handicapés. Hein, ils y peuvent rien, c'est. Mais bon, voilà. Mon RP est basé là-dessus. Et voilà, mais loin de là, de moi l'idée de me foutre la gueule des handicapés, c'est juste que par moment, ben, ils sont marrants malgré eux, et KD Georges il est marrant aussi malgré lui, quoi. Enfin, quand il arrive à s'incorporer plutôt dans le RP des gens, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui te ferment un peu la porte, ou genre tu vois, ils veulent pas te parler, ou des choses comme ça, quoi. Merci Sauvage. C'est la 7ème fois, mais ça me fait toujours aussi plaisir. Ça me fait toujours aussi plaisir, mec, voilà. Bon, je veux bien faire un petit raid sur Zardo, si vous voulez. Comment on fait ça? Hop! Je le raid. Voilà. Allez. Zoubi. Et merci pour tout. J'essaie de raid au stream dans la semaine. Demain... ça va être tendu parce que j'ai des gens chez moi et je vais pas faire le gogol tout seul alors qu'il y a des gens chez moi et mardi j'ai encore des gens chez moi mais voilà. Merci à tous en tout cas, n'hésitez pas d'aller sur Discord si vous avez des choses à dire, à parler entre vous aussi si vous kiffez le RP de Georges ou me laissez des messages, n'hésitez pas. Je vous embrasse, merci, c'était cool pour ma 2ème fois, ça me fait vraiment plaisir. Allez, bisous, bonne nuit. Allez, on tient un petit raid sur Zardoz avec 10 specs, 18 specs. C'est beau si on arrive à le raid.
Allez hop, c'est raide. Avec les 10 personnes, j'espère que vous êtes bien amusés. Désolé pour ce soir, j'étais pas trop, j'étais très occupé en fait à droite à gauche, du coup j'ai pas trop eu le temps de jouer avec toi, j'espère que tu me fais pas la tête. Ouais vas-y, je me ruine. Je prends 25k.